Les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, original en espagnol, suivi de la traduction en français. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, original en español y traducción en francés. Anotaciones para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen y para ayudarse, así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. Quelques annotations pour l'intelligence des exercices spirituels qui suivent et pour aider celui qui les donne comme celui qui les recevra. La primera anotación es que por este nombre ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de los y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida, para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. La première annotation consiste en ce que ce mot même d'exercice spirituel signifie toute façon d'examiner sa propre conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement et mentalement, et toute autre opération spirituelle, comme on l'expliquera par la suite. De même, en effet, que se promener, marcher et courir sont des exercices corporels, de même, préparer et disposer l'âme à supprimer tous les attachements mal ordonnés, et une fois ceci supprimé, à chercher et à trouver la volonté de Dieu sur l'organisation de sa vie et le salut de son âme, sont appelés exercices spirituels. La segunda es que la persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, discurriendo solamente por los puntos, con breve o sumaria declaración, porque la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo, y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, quier por la racionización propia, quier sea en cuanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina, es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia, porque no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. La seconde annotation. Celui qui donne à un autre une méthode ou un plan pour la méditation ou la contemplation
doit exposer fidèlement le récit à contempler ou méditer, se contentant d'en parcourir les points principaux sans insister, en y ajoutant seulement de brefs éclaircissements. De la sorte, celui qui va méditer, ayant d'abord reçu le fondement de la vérité historique, va le parcourir ensuite et y réfléchir par lui-même. En effet, il arrivera ainsi que, lorsqu'il découvrira quelque élément contribuant à une meilleure élucidation ou compréhension du récit, que ce soit par sa propre réflexion ou par une illumination divine de son esprit, il y trouvera un goût plus délectable et un fruit plus fécond que si cette même chose lui avait été exposée et éclairée plus abondamment par un autre. En effet, ce n'est pas l'abondance de la science, mais le sens et le goût intérieur des choses qui, habituellement, comblent le désir de l'âme. La tercera. Como en todos los ejercicios siguientes espirituales, usamos de los actos del entendimiento discurriendo y de los de la voluntad afectando, advertamos que en los actos de la voluntad, cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. La troisième annotation. Comme dans tous les exercices spirituels qui suivent, nous utilisons les actes de l'intelligence lorsque nous réfléchissons et ceux de la volonté lorsque nous sommes impliqués. Il faut remarquer que dans l'activité qui dépend surtout de la volonté, tandis que vocalement ou mentalement nous nous entretenons avec le Seigneur Dieu ou ses saints, un plus grand respect est requis de nous que lorsque par l'intelligence nous nous attardons plutôt à la compréhension. La cuarta. Dado que para los ejercicios siguientes se toman 4 semanas por corresponder a 4 partes en que se dividen los ejercicios, es a saber, a la primera que es la consideración y contemplación de los pecados, la segunda es la vida de Cristo nuestro Señor hasta el día de Ramos inclusive. La tercera, la pasión de Cristo nuestro Señor. La cuarta, la resurrección y ascensión, poniendo 3 modos de orar. También, no se entienda que cada semana tenga de necesidad 7 o 8 días en sí. Porque como acaece que en la primera semana, unos son más tardos para hallar lo que buscan, es a saber contrición, dolor, lágrimas por sus pecados. Asimismo, como unos sean más diligentes que otros, y más agitados y probados de diversos espíritus, requiérese algunas veces acortar la semana, y otras veces alargarla, y así en todas las otras semanas siguientes, buscando las cosas según la materia subyecta, pero poco más o menos se acabarán en 30 días. La quatrième annotation. Bien que 4 semaines soient assignées aux exercices qui suivent, correspondant aux 4 parties des exercices, c'est-à-dire que dans la première semaine on fait la considération des péchés, dans la deuxième de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son entrée à Jérusalem, le dimanche des rameaux, dans le troisième de sa passion, dans la quatrième de sa résurrection et de son ascension, en y ajoutant les 3 manières de prier. Cependant, il ne faut pas prendre lesdites semaines comme si chacune devait nécessairement compter 7 ou 8 jours. En effet, comme il se trouve que certains soient plus lents ou plus prompts que d'autres à atteindre ce qu'ils cherchent,
Par exemple, en première semaine, contrition, douleur et larmes pour ses péchés, que d'autres aussi soient plus ou moins agités et éprouvés par les divers esprits, il convient parfois d'abréger ou d'allonger une semaine, compte tenu de la situation. Cependant, en général, la durée totale des exercices s'achève en une trentaine de jours. La quinta. Al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. La cinquième annotation. Celui qui entreprend les exercices est étonnamment aidé si, y entrant avec un esprit grand et généreux, il offre tout son effort et sa liberté à son Créateur, le laissant disposer de lui-même et de tous ses biens, selon son bon plaisir, de la façon dont il pourra mieux le servir. La sexta. El que da los ejercicios cuando siente que al que se ejercita no le vienen algunas mociones espirituales en su ánima, así como consolaciones o desolaciones, ni es agitado de varios espíritus. Mucho le debe interrogar cerca los ejercicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo. Asimismo de las adiciones, si con diligencia las hace, pidiendo particularmente de cada cosa destas. Habla de consolación y desolación de adiciones. La sixième. Si celui qui donne les exercices remarque que ne survient chez celui qui les reçoit aucun mouvement spirituel de l'âme, comme sont les consolations ou les tristesses, ni aucune agitation des divers esprits, il doit s'enquérir avec soin s'il fait les exercices au temps fixé et de quelle façon, et aussi s'il observe exactement toutes les additions. Et il demandera compte de tous ces points. En outre, des consolations et désolations, on traitera plus bas, ainsi que des additions. La séptima. El que da los ejercicios, si ve al que los recibe que está desolado y tentado, no se halla como él duro ni desabrido, mas blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante y descubriéndole las astucias del enemigo de natura humana y haciéndole preparar y disponer para la consolación ventura. La septième annotation. Si celui qui a la charge de faire s'exercer un autre le voit affecté par la désolation ou la tentation, il doit veiller à ne pas se montrer dur ou sévère envers lui, mais plutôt doux et bon, affermissant son esprit pour qu'il se comporte courageusement désormais. Et lui ayant dévoilé les ruses de notre ennemi, qu'il s'efforce de le disposer à la consolation qui doit bientôt venir.